up, take me on your magic river, tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know. Salut à tous, c'est Théo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons construire un cimetière à Brindle Bay. Comme vous le savez, avec le pack Les Sims 4 à la vie à la mort, nous avons eu le nouveau trait de terrain cimetière. Et je me suis dit que ce terrain allait être parfait pour pouvoir en créer un. On a la vue sur les bateaux, etc. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc je pense qu'on va faire un côté avec les tombes, etc. Et un autre côté où on pourra donc réaliser les enterrements. Donc le terrain est assez petit, mais je pense qu'on va réussir à tout caser. Donc écoutez, let's go, je vous propose qu'on commence à construire tout de suite. Donc déjà, ce que j'aimerais faire, c'est partir sur, pourquoi pas l'endroit où on va faire les enterrements. Donc peut-être plus le faire de ce côté-là. Et bon, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop grand non plus, mais on va essayer de faire quelque chose de quand même plutôt sympa. Donc déjà, je pense qu'on va faire une entrée comme ça. Alors attendez, c'est peut-être un peu grand, je sais pas. Je pense qu'on va partir sur un truc comme ça. Ça pourrait être sympa, vu qu'on est à Brindle Bay, de créer une petite tour comme ça. Bien sûr, à l'intérieur, on la cassera pour faire une grande ouverture, mais là je vais pouvoir du coup la dupliquer comme ça. Tac, si on fait quelque chose comme ça, ça pourrait être plutôt sympa. Ça rappellerait un petit peu le phare qu'on a. Je pense que les murs d'en bas, je vais les mettre en moyen. Et les murs du haut aussi, peut-être. Comme ça, ça pourrait permettre de retirer le troisième étage. Écoutez, je pense qu'on va partir sur ça. Ensuite, par ici, je pense qu'on va agrandir l'espace comme ceci. Voilà, si on part sur quelque chose comme ça, par là, on pourrait faire une autre petite pièce, pourquoi pas une pièce de cuisine pour pouvoir faire un petit repas ou quoi après l'enterrement, je sais pas trop. Donc là on pourrait avoir ça comme ça, pourquoi pas fermer dans les coins par là et du coup ouvrir ce côté là pour arrondir un petit peu le bout de ce lieu de recueillement. Ok, je pense qu'on est pas mal. Je vais peut-être rétrécir un petit peu ce côté-là. Et je vais pouvoir créer une autre pièce. Alors attendez, si je crée une pièce comme ça et que je l'agrandis un peu, en vrai, ça peut le faire. Comme ça, par là, on aura l'endroit où on a le cercueil avec les bancs, etc. Par là, pourquoi pas des petites toilettes. Là, du coup, on ouvrira ici à l'intérieur. Tac, ça fera un petit recoin où on pourra mettre des fleurs ou quoi, je sais pas, on verra. Et là, un espace de réception un peu où voilà, il y aura un petit espace cuisine, pourquoi pas, de ce côté-là, juste vraiment tout petit, histoire de mettre un frigo, un four et un micro-ondes, quoi. Voilà, en vrai, ça peut être pas mal. Alors là, les toits, on va s'amuser, je pense. Ça va être très très compliqué, mais bon, écoutez, on va y arriver. Déjà, pour le haut, on va mettre ce toit-là. Je pense que je vais l'agrandir comme ça. Si je mets ça, bon, en vrai, ça va, ça me choque pas plus que ça. Là, pourquoi pas mettre un toit comme ceci, à deux versants jusqu'au bout. Étant donné que les pièces sont en face, je pense que ça choque pas. Et on pourrait également mettre un de ce côté là, mais du coup faudrait que je le fonde dans ça. C'est pas mal, par contre ça, ouais, je sais pas trop, ça manque un petit peu de relief, donc peut-être qu'on va créer une pièce par là comme ça qui sera pas forcément fonctionnelle, mais au moins elle pourra nous permettre de décorer un peu plus l'espace. Voilà, si on agrandit ça comme ça et qu'ensuite je vais mettre un toit à deux versants là, en vrai ça pourrait le faire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je rétrécis ça comme ça. Je mets ça là. Ok, c'est déjà pas mal. C'est un peu mieux. Ensuite, par là. Alors, attendez, on va faire l'arrière déjà. À l'arrière, là, il faudrait qu'on mette ça. Alors, attendez, au pire, sinon, je peux peut-être recréer une pièce comme ça au-dessus. Si je fais ça, après, bon, on aura toujours ce problème de toit, mais bon, c'est pas grave. Là, si je fais ça comme ça, ok, que là, je coupe le mur là. Dedans, ça va nous permettre de pouvoir supprimer le plafond. Donc, ça pourra faire une petite ouverture comme ça. En vrai, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Mais du coup, là en haut, on a toujours ce problème de toit. Donc, est-ce qu'on part sur quelque chose de plat? Pourquoi pas? Déjà là, pour ce petit bout, je pense qu'on va partir sur ça. Je pars sur quelque chose comme ça, en vrai. Ouais.
Écoutez, on va rester sur ça. Là, on a notre toit comme ça, ok. Et du coup, là, par contre, à l'arrière, ça m'embête un petit peu, là, l'espace. Parce que je sais pas trop quoi faire. Après, sinon, je peux faire ça comme ça. Attendez, j'ai une petite idée. Là-dedans, je mets des plateformes. Ensuite, je supprime tout ça. Tac, comme ça. Je viens chercher des petites fondations pour les plateformes et je vais venir prendre celle-ci. Si on part sur ça et qu'ensuite je viens prendre des décorations d'extérieur en bois pareil et que je les mets là, ça peut rendre un petit truc sympa en vrai. Et comme ça peut nous permettre de laisser un toit plat. Bon, après avoir bien sûr ce qu'on va faire au niveau de l'extérieur. Mais ça peut être une possibilité en soi. Et du coup, pour cette petite partie du toit, pourquoi pas prendre ce toit-là? Et si on fait ça comme ça et qu'on la baisse, en vrai, ça peut passer. Ça me choque pas plus que ça. Donc écoutez, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Et on a terminé pour les toits. My God, la partie la plus compliquée. Est-ce qu'on part sur des fondations ou pas? En vrai, pourquoi pas? Je trouve que ça rend toujours un peu plus joli. Et je me dis qu'en vrai, on pourrait peut-être agrandir ce toit pour créer ici une entrée. Enfin, on met une petite terrasse juste là. Voilà, une toute petite avec des petits escaliers ici ou là. Et comme ça permet de faire un petit porche. Et même à la limite, on peut faire quelque chose comme ça. Ouais. Écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. Alors attendez, là, vu qu'il faut qu'on économise de la place, je pense que je vais reculer au maximum la construction. Voilà. Alors je partirai bien du coup sur du lambris bleu, comme un peu ce qu'on a autour là-bas. Voilà. En fait, je m'inspire vraiment de cette petite maison là-bas. Cette couleur, elle est parfaite. Après, est-ce qu'on aurait peut-être une couleur un peu plus peps? Là, non, ça fait peut-être un peu trop orange. Là, ça fait un peu trop rouge. Ouais. Écoutez, je pense que on va partir sur ce bleu. Et au niveau de cette grande partie là, toute la longueur, on va mettre du beige comme ça. La tour, pourquoi pas la mettre en marron? C'est bizarre si on fait plusieurs couleurs, hein. Marron foncé en vrai, un peu caramel. Pourquoi pas? Je pense qu'on peut rester sur ça. Du coup là, je vais venir ajouter ce papier peint bleu par là. Là, je vais remettre ça en haut. Pourquoi pas mettre du papier peint bleu du coup. Ok, c'est pas mal. À l'arrière là, pareil, papier peint bleu. Et du coup, ouais, on pourrait mettre ce papier là, ce papier peint ici carrément. Ça pourrait super bien passer. Tac, ça comme ça. Et écoutez, franchement, c'est pas mal. J'aime bien ce que ça rend. Ensuite, au niveau des surfaces de toit. Alors, est-ce qu'on en a qui viennent avec chien et chat? Je crois pas. Non, on n'en a pas. Ok. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ok, on a ça. Alors, ça voudrait dire que c'est celui-ci. Et celui-ci, franchement, j'aime bien. Mais est-ce qu'on a une couleur un peu plus foncée? On a noir, mais bon, noir dans un cimetière, voilà quoi. Sinon, on a gris clair comme ça. Celui-ci, en vrai, il pourrait passer. Donc, je pense qu'on peut laisser celui-là. Et ensuite, on a les petites bordures de toit. Je pense qu'on va mettre en blanc. Voilà, on va unifier un peu tout ça avec les bordures de toit. Comme ça, voilà, nickel. Ensuite, on va venir chercher les fondations. Alors, les fondations, est-ce qu'on part sur de la brique? Est-ce qu'on part sur de la pierre? Du bois? Je pense que ça peut être pas mal. Du bois blanc, comme ça. Comme ça unifie aussi le haut et le bas. Ça fait un rappel avec les bordures de toit. Écoutez, je pense qu'on va faire ça. Et ensuite, on a là un petit coin. Et j'ai bien envie de mettre ce parquet. Ouais, carrément. On va mettre ça. Des petites clôtures, pourquoi pas. Alors avec chien et chat, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai qu'on a celle-ci. Mais alors, est-ce que c'est le même bleu? En vrai, ça passe. Donc je pense qu'on va le laisser. Et on va mettre ces colonnes également qui viennent avec le pack. Voilà, ça c'est parfait. Alors ensuite, pour les fenêtres. Donc on a des fenêtres moyennes. Ok, donc là on a une arche, bof. Déjà, pour tout ce qui est toit, on va mettre des fenêtres rondes. Alors, je vais activer mes codes. Et je pense qu'on va partir sur du blanc. Donc, je vais aussi en mettre une ici et une de l'autre côté, comme ça. Là-haut, pourquoi pas mettre ces petites fenêtres-là. Pareil, en full blanc, voilà, ça passe parfaitement. Et là, à la limite, on pourrait mettre les mêmes ou alors peut-être des plus grandes comme ça. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. Est-ce qu'on en a? On a les toutes petites comme ça. Ça, c'est parfait pour la tour. Je pense qu'on peut en mettre comme ça. Écoutez, je pense que pour ce côté-là, on va laisser ça comme ça. Et ensuite, alors après, on a ça. Mais ça, c'est vraiment baie vitrée, quoi. Là, c'est censé être les toilettes. Donc, on va peut-être pas mettre ça. Peut-être que juste ça passerait bien. Après, bon, c'est vrai que là, ça fait pas grand-chose, quoi. Donc, je préférais limite mettre ça. Après, peut-être que les toilettes, on les changera d'emplacement à l'intérieur, hein, on verra.
Là, je vais mettre aussi cette grande fenêtre par ici. Et du coup, de ce côté-là, on va mettre la même. Ici, pourquoi pas mettre ça? Ou alors, on a celle-ci qui pourrait changer un petit peu. Mais bon, en vrai, je préfère celle-là. Donc, on va laisser ça. Et après, on a ces fenêtres-là. Et ça pourrait être sympa de les mettre là. Ça aurait été mieux qu'elles soient plus grandes. Mais attendez, j'ai envie de tester quelque chose. Est-ce que 3, ça passe? En vrai, ça passe bien. Là, je fais un petit test, hein. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Parce que vous savez, au-dessus, du coup, ce sera ouvert. Donc, je me dis que si on met des entrées de lumière comme ça pourrait bien rendre. Oh, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. J'aime bien ce que ça rend. Écoutez, je pense que comme ça, on est pas mal. Là, on a quand même assez d'espace pour pouvoir faire l'extérieur. Et si on déplace un petit peu comme ça, est-ce que ce serait pas mieux? On met ça plus au fond ici. On met ça comme ça. Comme ça, là, on arrive. On peut avoir l'entrée par là. Et après, par là, du coup, on a le coin avec les tombes, etc. Écoutez, en vrai, je pense que je préfère comme ça. Parce que comme ça, on peut faire un chemin directement droit. Alors que sinon, on aurait dû faire un chemin un peu biscornu. Donc, je pense qu'on va partir sur ça. Du coup, on va mettre un peu de pelouse desséchée autour de la maison, histoire de la refaire, de la faire ressortir un petit peu. Ok, très bien. Et du coup, pour les pavés, ouais, ça, j'avoue, j'aime pas trop. Je suis pas trop fan. J'aimerais bien mettre du gravier. Je pense que du gravier, ça peut être pas mal si on part sur quelque chose comme ça. Si je le centre par là, alors attendez, on va augmenter l'opacité. Si je le centre bien au niveau des escaliers comme ça, on peut faire un truc plutôt cool. Et là, je viens du coup avancer tout ça jusqu'à la route. Là, j'aime bien. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de mettre la porte à l'extérieur. Donc, on va mettre ça tout de suite. Soit on part sur ça, soit on part sur celle-là. Je pense qu'on va mettre celle-ci, elle est un peu plus imposante. Voilà. Et du coup, là, pour l'extérieur, on commence à être pas mal. Je vais venir chercher des clôtures buissons. Vous savez, donc on a celle-ci et celle-là. Du coup, on va, je pense, si on fait quelque chose comme ça, que là on fait un grand coin un peu verdure, voilà, où il y aura les tombes, etc. On pourrait peut-être créer un petit point d'eau avec les outils de terrain. Voilà, on fait ça comme ça. Comme ça délimite vraiment bien l'espace. Et à la limite, on pourrait même ce côté-là aussi. Voilà, je pense que comme ça c'est bien. Et du coup, là dans les exigences, on doit mettre des tombes, cryptes, cercueils, stèles et urnes, toilettes, bancs et poubelles. Alors, les tombes déjà. Je pense que ça, c'est ce qui va devoir être placé en premier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais deux parties tombes ou alors on part sur une partie tombe et une partie urne? Je sais pas. Je pense que là, on pourra faire un espace un peu pour faire la fête, etc. quand il y aura des enterrements. Mais enfin, bon, vous avez compris. Pour moi, dans les Sims, les enterrements, c'est un truc un peu triste. Mais voilà, on fait la fête pour faire le deuil de la personne décédée. Même si, bon, c'est triste. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Donc, si on part sur ça, là, je les rapproche un peu comme ça. Si j'en mets une là, là, là. En vrai, ça peut être pas mal. Comme ça, on pourrait peut-être faire un beau petit chemin fleuri et tout et tout. Là, je pourrais avancer un petit peu les tombes, comme ça. Faut qu'on mette une crypte. Alors, une crypte, ça prend de la place. Donc, la crypte, pourquoi pas la mettre au bout, comme ça. Et du coup, là, décaler les tombes un peu plus comme ça. Après, si on met des bancs et tout. Ok, j'ai une idée. On va chercher le sol gravier. Nickel. On va venir faire une avancée par là, comme ça. Là, on va la relier à la route, enfin au chemin déjà créé. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa du coup de mettre des bancs au centre. Ça pourrait rendre joli. Et du coup, on pourrait mettre un banc là, avec une poubelle entre les deux. Voilà, si on part sur une poubelle comme ça, tac. Et à la limite, on pourrait même mettre un banc l'un derrière l'autre. Ça, c'est pas mal, non? Ah, en vrai? J'aime bien. Et par contre, il faudrait mettre un arbre au fond là pour que ça amène un peu de verdure. Parce que là, c'est vrai que le terrain, il est un peu plat. Et c'est bien parce qu'ici, on a plein de types d'arbres. Donc ça, c'est cool. Déjà, on a le bouleau normalement, il me semble. Un truc du genre. Alors attendez, je vais essayer de trouver les arbres. On a ça déjà. Écoutez, je pense qu'on va partir sur lui. Je vais en mettre un ici. Et est-ce que j'en mets un autre, le même ou pas? Non, je pense pas que je vais mettre le même. Après, on a des sapins, donc on pourrait partir sur un sapin.
Je mets un petit sapin comme ça dans le coin. Franchement, c'est pas mal. Ok, je pense qu'on va partir là-dessus. Là, du coup, ça me donne envie de mettre des tombes tout le long comme ça. Alors, du coup, dans ces cas-là, je remets des bancs par là. Voilà, comme ça, ça nous rappelle un petit peu ce côté qu'on a fait là. Du coup, pareil, on pourrait changer les coloris des tombes. Peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus sombre. Parce que c'est vrai que là, le blanc, ça flash beaucoup. Je pense que là, on est pas mal. Bon, bien sûr, il manque des choses, hein. Il manque des feuilles, il manque des fleurs, etc. Et du coup, au niveau des buissons, je vais venir placer ceux-là. Alors, ceux-là, c'est mes préférés. Ils viennent avec le jeu de base. Franchement, ils sont trop beaux. Je trouve que ça ajoute un peu de verdure sans vraiment... mettre trop de couleurs pour commencer par une base. En vrai, je vous conseille de prendre ça. Je vais en mettre aussi tout le long ici. Je vais en rajouter de ce côté-là également. Très bien. Je vais en mettre sous l'arbre par ici. Comme ça. Pourquoi pas en mettre aussi un peu autour des tombes. Voilà, j'en mets, je sais pas, un peu comme ça. Un peu là, un peu par là. Voilà, histoire d'ajouter un peu de buisson un peu partout. On va en faire pareil de ce côté-là. Comme ça. Très bien. Je pense que c'est pas mal. Commence à voir quelque chose. Même si, bon, c'est pas encore très très bien. Et là, j'aimerais bien créer un petit coin. Vous savez, on peut s'asseoir, voilà, pour... pourquoi pas penser à, voilà, à notre famille ou à notre proche qui est décédé. Voilà, vous savez, faire un petit kiosque un petit peu. Donc on fait ça comme ça. On construit le plafond. Comme ça, je viens ajouter un petit toit. Là, j'agrandis ça comme ça. Nickel. Ensuite, je pense que je vais venir récupérer tout ce qu'on a là-bas. Histoire de pas trop dénoter ce truc du terrain. Pareil, je vais récupérer... le sol, les barrières, les escaliers, on va prendre les mêmes. Ah purée, je peux pas les mettre de travers. Ok, c'est bon, c'est réglé. On fait ça comme ça. J'ai mis deux plateformes du coup, comme ça. Et là, je vais venir récupérer les colonnes. Et je vais en placer une dans chaque coin. Ok, comme ça, c'est mieux, je trouve. C'est beaucoup mieux. Et on va pas oublier de mettre des bordures en bas et en bleu peut-être. Est-ce qu'on a du bleu un peu foncé ou du blanc? Peut-être que du blanc ça peut passer. Sinon je peux mettre ça. Ah sinon je peux faire ça comme ça. Ok, j'aime bien. C'est sympa là. Du coup là je vais venir mettre deux petits bancs. Voilà, on va pas mettre plus de choses que ça. Un banc là et un banc en face comme ça. Et ça ira très bien pour ce petit coin. Du coup je vais venir relier le chemin au petit kiosque. Donc on va partir sur du petit carré. Et voilà, comme ça c'est bien. Ah ça va, je suis content. Je vous jure, je pensais pas réussir à faire un truc aussi sympa et franchement ça va. Et du coup de ce côté là, en vrai pourquoi pas mettre un petit barbecue avec deux tables de pique-nique. Je me dis que ça pourrait être sympa. Même si c'est pas un parc, je me dis qu'il y a forcément des personnes qui souhaitent se recueillir en restant un peu plus longtemps dans le cimetière. Et donc ils veulent voilà manger un petit bout, voilà je sais pas... Je me dis que ça peut être cool. Et en vrai, je me dis qu'on peut faire un truc en arrondi comme ça. Un petit coup de gravier juste ici pour rejoindre le chemin. Et c'est pas mal en cercle. Comme ça, là, je viens mettre un barbecue de ce côté-là et un autre en face. Et au milieu, je viens mettre des petites tables de pique-nique toutes simples en bois. À moins qu'on en ait avec chien et chat qui pourraient passer. Bon, ouais, on a ça, mais en vrai, si. En vrai, si, ça peut le faire. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. Voilà, comme ça, on en met une ici, une là. Et voilà, comme ça, c'est pas mal. Ça fait pas trop... C'est le juste milieu, je trouve. Bien sûr, je viendrai à peaufiner par la suite de mon côté. On a fait le plus grand ensemble. Là, j'ai vraiment envie qu'on s'attaque à l'intérieur parce que la vidéo, elle va durer trop longtemps sinon. Alors du coup, vu qu'on a mis l'entrée par là au final, là, on va retirer le mur par ici. Si ici, on fait les toilettes et là, la salle de réception un petit peu. Du coup, là, ça fait qu'on a l'entrée. Donc, je pense que ça pourrait être cool de se mettre un demi-mur juste là. Si on fait quelque chose comme ça, en vrai, ça peut être bien. Comme ça, là, on a un peu l'entrée, etc. Au-dessus, le trou, il est à ce niveau-là. Donc, si je fais un mur comme ça, là, je mets juste une plateforme d'un carreau pour faire l'endroit où il y aura voilà, le cercueil avec les personnes qui font un petit discours, etc. Alors, attendez, je vais mettre un peu de lumière parce qu'on voit pas grand-chose. Alors, au sol, déjà, je veux du parquet. Un vieux parquet, quelque chose, voilà, vraiment comme ça. Peut-être un petit peu plus clair. Voilà, un petit peu plus peps comme ça. Je vais venir le mettre aussi de ce côté-là. Très bien. Sur les murs. Alors, sur les murs, je me vois pas trop mettre quelque chose d'uni. Alors, ça, c'est très joli.
Ah ouais, c'est très très joli. Par contre, ça fait très sombre du coup. Sinon, on a ça. Mais du coup, si je mets ce mur-là, je pense que je vais changer le sol parce que il va pas trop avec. Ça, à la limite, c'est un peu mieux. Moi-même, est-ce qu'on n'a pas autre chose? Alors, on a celui-ci en ah, plus clair. J'aime pas comment il rend. Je pense qu'on va partir sur ça. Du coup, ici, je vais venir mettre des clôtures comme ça, histoire de séparer un peu les deux espaces. Là, je vais venir prendre des petites bordures toutes simples. Alors, est-ce qu'on a du bois basique? Alors là, on a toutes les couleurs. C'est nickel. Un peu plus foncé, peut-être. Voilà, ça, ce sera parfait. Si je mets des tympans, ça passe ou pas? Celles-ci, elles sont assez basiques. Si je mets ça comme ça, avec des colonnes en bois. Ok, je pense qu'on va partir sur celle-là. Donc, je vais juste en mettre 4. Voilà, au milieu et sur les bords. Du coup, là, les barrières, faudrait les changer. Elles sont un peu trop simples. Ok, je pense qu'on va partir sur celles-là qui viennent avec le pack alloué. Donc, je vais venir placer une plateforme funéraire au centre. Ensuite, par ici, je vais venir mettre un petit podium. Au-dessus, du coup, est-ce qu'on peut mettre le cercueil? Ok, on peut pas mettre le cercueil. Alors ça m'embête un petit peu. Mais si je le rétrécis et que je le monte, parce que j'ai pas d'idée pour le mettre à l'extérieur. Donc c'est soit ça, soit rien en fait. Donc je pense que comme ça ira très bien. Si on part sur un cercueil un peu sympa, genre ouais, bleu comme ça, allez, pourquoi pas. On va partir sur ça. Ensuite, sur le côté par là, on peut mettre un petit présentoir commémoratif où on pourra mettre la photo du défunt. Je pense que ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Ensuite, à l'avant, on va venir mettre des bancs. Alors, il me faudrait des bancs en bois tout simple. Donc, moi, je verrais bien ceux-là. Je sais pas pourquoi, mais j'en mettrais bien un, deux dedans. Enfin, sur la plateforme, quoi, à ce niveau-là. On peut dire que c'est vraiment les personnes qui sont proches, proches, proches du défunt. Genre la mère, le père, l'enfant ou quoi. Et par ici, du coup, mettre les bancs, hop, comme ça. Je pense que ça pourrait être cool. Et du coup, je verrais bien aussi, pourquoi pas, un sol en moquette rouge pour faire un petit tapis. Ou d'une autre couleur, je sais pas, bleu peut-être. Soit comme ça, soit rouge. Je trouve que le rouge, tout de suite, ça fait très sympa. Sinon, on a vert. Et on peut l'amener, voilà, jusqu'au cercueil, le tapis. En vert, j'aime bien, en vrai. On va partir sur ça. Et du coup, il me faudrait des petites clôtures pour faire la finition du tapis, tout simplement. Voilà, on va partir sur des clôtures en bois comme ça, comme s'il était intégré au parquet quoi. Ici, je vais venir rappeler les papiers peints. Parfait. Je pense que ça pourrait être bien également de remettre les piliers avec les tympans. Là, c'est pas mal. Là, je pense qu'on pourrait à la limite avancer les bancs pour en mettre une troisième rangée. Parfait. Écoutez, là, ça commence à prendre forme. C'est plutôt pas mal. De ce côté-là, je pense que je vais venir mettre une arche pour accéder à l'arrière. Et ensuite, en face, on va venir mettre une toute petite porte pour les toilettes. Du coup, de ce côté-là, on aura les toilettes avec trois cabines pour aller faire pipi, tout simplement. Pour le sol, pourquoi pas partir sur... En vrai, j'aimerais bien mettre ça. Je l'utilise jamais. Et en vrai, ça me choque pas plus que ça. Attendez, ça va dépendre du carrelage au mur. Parce que le carrelage au mur, je sais pas ce que je vais mettre. En vrai, on peut faire des toilettes comme ça. Hein. Je fais jamais de toilettes dans ce style-là, franchement. Ah, j'aime bien. Bon, écoutez, on va partir sur ça. Franchement, je sais pas dans quoi je me lance, mais j'aime bien. Là, on va aller chercher des petites toilettes. Voilà. Une, deux et trois. Bien sûr, on va venir mettre le petit papier toilette. Hop, ici, là. Et là, parfait. Et de ce côté-là, on va venir mettre deux éviers. Pourquoi pas ça en vrai? Ça passe bien avec le mur et le sol. Et au-dessus, un joli miroir, histoire de pouvoir s'admirer quand on se lave les mains. Très bien. Bien sûr, je vais venir ajouter un peu de papier et du savon. Alors le savon, est-ce que ça passe si je le mets là? Oui, nickel. Écoutez, bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour les toilettes, hein. C'est pas l'endroit le plus important. Là, je pense que ce serait cool de mettre par ici un petit coin un petit peu canapé. Donc dans ce petit recoin, je verrais bien plutôt deux sièges. Alors peut-être pas des rocking chairs, mais des sièges un petit peu sympas. Voilà, des sièges un peu plus comme ça. Ça pourrait être cool d'en mettre deux. Voilà, un par ici et un par là. Ensuite, ça, l'entrée, machin, je le ferai de mon côté. Tout ce qui est petite déco et tout, je le ferai de mon côté. Et du coup, là, on a la salle un petit peu de réception, entre guillemets. Elle est quand même vachement grande, donc je pense que là, je vais décaler un petit peu ça d'un carreau, parce que là, la cuisine, elle est un peu petite. Toi, tu retournes là-bas, très bien. Et est-ce qu'on récupère le même mur ou pas?
Je sais pas, peut-être qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus épuré comme ça. Mais alors attendez, là j'ai pris ce coloris là. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Du coup, par ici, il me faudrait une petite porte. Très bien, comme ça là on pourra faire un petit espace cuisine. Et je pense qu'on pourrait mettre les mêmes sols et murs qu'on a mis dans les toilettes. Et je verrai bien ces plans de travail. Donc comme ça, par là, un dans le coin ici, comme ça c'est très bien. Là je vais le retirer pour mettre un évier, mais du coup comme c'est les mêmes meubles, c'est les mêmes qu'on a mis dans les toilettes. Ensuite on va venir mettre un réfrigérateur, donc on a celui pareil qui vient avec le pack à la vie à la mort, et une cuisinière pareil qui vient avec le même pack. Voilà, le pack à la vie à la mort, très bien. La hotte, je vais prendre la même qui va avec. Et on va mettre des meubles de rangement, mais je pense qu'on va pas en mettre beaucoup parce que bon, c'est pas une cuisine où les gens viennent, voilà, toute leur vie quoi. C'est juste histoire de... Voilà, la cuisine pareil, c'est pas le coin le plus important je pense. On va surtout s'occuper de cette salle à manger entre guillemets. Et on a cette table qui est très sympa. Donc alors attendez, est-ce qu'on pourrait pas mettre au centre de la pièce ça? Pour faire un rappel du tapis qu'on a ici. Et comme ça, hop, ça pourrait nous permettre de se repérer un peu mieux dans l'espace. Voilà. Comme ça, là, on pourrait mettre trois petites tables au centre. Très bien. Avec des chaises. Je pense qu'on va prendre les chaises d'à la vie à la mort également. Voilà, on a celle-ci. Après, ça fait un peu trop de ton sur ton peut-être. Et voilà, là, on peut en mettre deux. Ici, trois. Et là, faire une table de quatre, pourquoi pas. Et j'aimerais bien ajouter dans le coin, là, une petite fontaine avec, vous savez, les petits plats qu'on peut mettre comme ça. Je pense que c'est plutôt cool. Sur les tables, je vais venir mettre ces jolies petites fleurs. Et au niveau des murs, je mettrais bien des grands tableaux avec des visages. Voilà, c'est ce style de tableau. J'en mets un ici, un autre par là. On va mettre des petits rideaux et je pense qu'on sera pas mal pour la partie construction ensemble. Bien sûr, je vais fignoler tout de mon côté histoire que ce soit vraiment la construction parfaite pour vos parties. Mais franchement, je suis content de ce qu'on a fait ensemble déjà. C'est quand même plutôt cool. Alors par contre là, le choix des rideaux va être compliqué. En fait, je mets tout le temps ceux-là, mais ça me saoule de tout le temps les mettre. Écoutez, on va partir sur ça. Tac, côté gauche, côté droite. Voilà. Voilà, très bien. Et donc voilà, c'est la fin de cette construction. J'espère que vous aurez apprécié ma compagnie durant la construction de ce cimetière. J'ai ajouté pas mal de détails à l'intérieur, vous allez notamment pouvoir le voir dans les images. Mais au niveau de l'extérieur, j'ai pas trop touché, j'ai ajouté juste des petites fleurs violettes par-ci par-là. Et franchement, je trouve que ça rend vraiment super joli. Donc je vous partage la construction dans ma galerie, je vous affiche mon IDE à l'écran. Et donc si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, c'était Théo.